Série de vidéos sur les fondamentaux en mathématiques, nous allons voir ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fonctions infinies sans jamais avoir osé le demander. Il s'agit d'une série de vidéos sur l'ensemble des questions classiques que l'on pose sur les fonctions infinies en évaluation. Vous pouvez prendre successivement chacune de ces vidéos pour faire le tour de la question sur le chapitre. La quatrième chose qu'on peut vous demander, c'est d'étudier les variations d'une fonction infinie. Donc on peut vous demander les variations de la fonction f définie sur R par f de x égale à 3x moins 7. Vous devez savoir qu'une fonction affine est monotone sur R. Elles sont monotones puisque vous comprenez bien que dès qu'on représente des droites, eh bien forcément, leur variation va être tout le temps la même. Quelle que soit la droite que je vais représenter dans mon repère, la variation va être la même. À aucun moment, nous pourrons avoir des objets qui feront que les variations vont moduler, tantôt croissantes, tantôt décroissantes, sur différents intervalles. La fonction infinie a cette caractéristique, c'est pour ça qu'elle est simple, qu'elle a une variation monotone sur R. Il s'agit donc de déterminer si elle est croissante ou décroissante, simplement. Vous devez connaître cette propriété qui dit qu'une fonction infinie est croissante sur R, c'est équivalent à dire que son coefficient directeur A est positif. Et inversement, on dira qu'elle est décroissante sur R si le coefficient A est négatif. Il s'agit donc uniquement de déterminer le signe du coefficient a. Dans ma situation ici, on observe que a est égal à 3. Donc a est positif. D'après cette propriété de cours, on peut en déduire que f est croissante sur r. Attention de toujours bien dire sur quel domaine la fonction est croissante ou décroissante. Il serait incomplet de dire simplement f est croissante. On ajoute bien le domaine sur lequel ma fonction est croissante. Et on peut, si on veut être complet, donner un tableau de variation qui est très simple avec une flèche qui monte pour exprimer que la fonction est croissante sur R. Pas la peine de donner de valeur particulière, il n'y a pas de changement de variation sur ma fonction. Cette vidéo est terminée, vous pouvez poursuivre l'étude du chapitre complètement en cliquant sur la vidéo suivante ou en retrouvant l'ensemble des informations sur le site matguyon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur un like, bon courage.